Toute la foule est animée, yeah. Tous les joueurs déterminés, yeah. Allez les high five, montrez-nous vos capacités, yeah. La foule est animée, yeah. Tous les joueurs déterminés. Basket, basket. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket, basket. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket, basket. Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Incroyable! Au moment où je vous parle, le suspense est à son comble. Rudy! Ici, Rudy! À droite! Passe à Mia, bon sang! Les Farmers de Des Moines mènent au score. Mais il suffirait d'un panier dans cette dernière minute de jeu pour tout renverser en faveur des High Five. Là, je suis démarqué! Vite! Ici! Vite! Qu'est-ce que t'attends? Passe! Ah, c'est mal engagé pour les protégés de Tony Parker. Un des joueurs vient de se faire prendre le ballon. Mais attendez, il ne semble pas avoir dit son dernier mot. C'est tout simplement incroyable. Grâce à ce dunk fabuleux, Rudy, le capitaine des High Five, vient de sauver son équipe. Les High Five l'emportent sur cette action spectaculaire. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister en direct à un événement rare, la naissance d'un champion. Bravo, bien joué les gars, je vous félicite. Merci Tony, c'était trop facile. Si tu veux jouer tout seul Rudy, inscris-toi au tennis. Mais Tony... Ta décision de finir en solo aurait pu nous coûter le match. Ah ouais? Et quoi? J'aurais dû leur passer la balle et les regarder jouer. Rudy, tu ne comprends vraiment rien. Voici Léo, Mike et Stella. Oh. Oh. Les gars, Bing et Crosby travaillent pour la télé locale. Cool! Vous venez m'interviewer? Et voici Smooth. Et lui, c'est Freeze. C'est drôle, c'est comme le jus de fruits glacés. Smooth et Freeze. C'est fou. Cerise grenadine, banane cornichon, asperge goyave. Oui, Dono, Smooth et Freeze sont garantis 100% fruits et légumes et maintenus à 0 degré pour en conserver la saveur unique. Smooth et Freeze, 0 degré, 0% calories, mais 100% délices. Waouh, super! Je poursuis les présentations. Ouh. Oh. Et voici celui dont tout le monde parle en ce moment, notre capitaine, Rudy. Hey! Alors, c'est vous le jeune prodige, on vous a vu marquer ce dernier point tout seul. Fabuleux! Vous avez sauvé le match! Oh. Jeune homme, vous représentez exactement ce que nous recherchons pour promouvoir notre marque. Vous voulez dire que je vais avoir un sponsor? Si je comprends bien, vous voulez proposer un contrat de sponsoring au High Five. Pas au High Five, uniquement à ce jeune prodige, Rudy. Exclusivité, photo, couverture de magazine, interview, t-shirt. Coupez la caméra, s'il vous plaît. Ce n'est pas la modestie qui étouffe Rudy en ce moment. Et c'est pour ça que tu ne veux pas de leur offre, Tony? Crois-moi, je connais bien ce genre de couverture médiatique. Ça va créer des disputes dans le groupe. Mais c'est Smooth et Freeze! T'as vu le contrat qu'ils proposent à Rudy? Je pourrais être son agent! Je l'aiderai à garder la tête froide. S'il te plaît, Tony! Dis oui, s'il te plaît! S'il te plaît, s'il te plaît! Bien sûr! Je vais vous montrer! Regardez!
as eu ça? Magnifique! Vous allez faire rêver toutes les filles de votre âge. Et elles se consoleront de vous en se jetant sur nos glaces Fruity Rudy! Fruity Funky Rudy! Fruity Funky Rudy vendu! Messieurs, vous avez devant vous la représentante officielle de Rudy. Regarde-moi ça! Smooth et Freeze, les parfums les plus originaux de la Terre. Pistache, abricot, choucroute, cacao, radis, framboise. Je me demande ce que font les Alaskings. Ils se sont peut-être perdus en route. C'est loin l'Alaska. Et c'est froid. Vous croyez qu'en Alaska ils font des smooths et frises Colin Morse ou Caribou Pingouin? Entendons-nous bien. Mon client a droit à autant de smooths et frises qu'il le désire. Hein? Tout ce qu'il voudra. Mia, c'est pas... Tony, s'il te plaît, arrête de m'interrompre. Je négocie. Tant qu'il sera sous contrat avec nous, ses désirs seront des ordres. Je peux demander tout ce que je veux. Rudy, c'est moi qui négocie. Elle est dure en affaires, la petite, hein? Oui. Derrière cette porte, on est en train de signer un contrat exceptionnel entre la marque Smooth & Freeze et le jeune prodige découvert par Tony Parker, Rudy, un champion spectaculaire, le capitaine des High Five. Tu trouves pas bizarre qu'il y ait que lui qui ait un contrat? On l'a tous gagné ce match, non? Encore un camion frigorifique? Ah bon sang, ce qui fait chaud ici! J'espère qu'ils ont la clim. Gardez votre salive, elle va s'évaporer. Il vous faudra de l'énergie pour le match. Coach, on a un problème. Yeti dit qu'il fait trop chaud. Il ne veut pas sortir du camion. Soyez les bienvenus au Texas. Alors, je vous présente... Ça va être trop cool. C'est lui! C'est Rudy! C'est lui dont parlent les journaux! Il est trop chou! T'es trop beau, Rudy! Dis, s'il te plaît, je peux avoir un autographe? Bon, les gars, rendez-vous sur le terrain dans 45 minutes. Et qui fait encore la une d'un magazine? Rudy! Rudy par-ci, Rudy par-là. Il y en a marre, il n'y en a que pour lui maintenant. Pas une ligne sur nous! Et pas une photo! Écoutez ça! Rudy est vraiment bien plus qu'un basketteur en herbe, c'est un espoir pour toute une génération. Eh oui, c'est ça la classe. Oh, regardez ça, ces pingouins vont pas regretter le déplacement. Quand tu veux, tu nous passes la balle. Une minute, je leur en mets plein la vue aux pingouins, ça va leur saper le moral. Sympa. Il n'y peut rien, Mike, c'est le Star System qui veut ça. Vous filmez là? Oui, oui, continuez. Ah, il n'est pas toujours comme ça, vous savez, il est généreux, solidaire. T'oublies quand même pas le reste de l'équipe, hein, Rudy? Hein? Coach, on meurt vraiment de chaud. Bienvenue au Texas, les gars. Dis donc, Snowball, je rêve où ils se disputent. Non, mais attendez. J'ai peut-être une idée pour rétablir l'équilibre. C'est bon, la Fédé nous envoie... Mais qu'est-ce que... Écoutez, c'est comme un groupe de rock. On parle du leader, pas des musiciens ni des choristes. Répète un peu pour voir. Dis donc, la diva, traite-nous encore de choriste. Et tu finiras ta carrière en solo. Hé, hey, oh, ça va pas? Ils vous regardent. Eux, ils sont en train de fondre sans même bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a à craindre d'eux, franchement? Vous avez pas encore vu Yeti? Tu crois qu'il m'impressionne, votre gorille des neiges? Vous avez peut-être Yeti, mais nous, on a... moi. Facile d'avoir la grosse tête quand on joue sur un terrain totalement en sa faveur. Quoi?
Le terrain? C'est ça votre excuse? Tu ferais moins le malin sur un terrain gelé avec Yeti en face de toi. Moi? Je fais le malin? Eh les gars, je fais le malin? Laissez tomber. Mia, nos sponsors ne peuvent rien me refuser, n'est-ce pas? Rudy, où tu veux en venir? On me défie, je réponds. Vous voulez un terrain gelé pour sortir votre Yeti? Ah! C'est bon, vous l'aurez. Quoi? Ah ben... Tu as eu ça? On peut la refaire. De ce côté-là, les stocks. De quoi alimenter le pôle Nord en smousse et frise pour une génération. Non mais Tony, c'est pas possible. Fais quelque chose, on ne peut pas jouer le match ici. Rudy l'a voulu. Maintenant qu'il assume, tant pis pour vous. Et enfin, voilà! Tada! Oh! Wow! Zéro degré? Mais ça va pas! Vous avez fait ça pour moi? Rien n'est trop beau pour notre jeune protégé. Oh, ça caille. On va jamais tenir. On va tous mourir d'hypothermie. Tu rigoles, Stella. C'est de froid qu'on va mourir. C'est pareil, Léo. Il paraît que le froid, c'est psychologique. Il y a aussi des facteurs physiques non négligeables, Mia. Pourquoi tu m'as laissé faire ça, Tony? Pour vous apprendre à vous adapter et pour vous ressouder. J'ai pas froid. Chaud des vins! Laissez passer l'espoir d'une génération! Le ballon colle aux doigts à cause du froid. T'as pas une idée pour... Le froid, c'est psychologique. J'ai pas froid. Tiens, la vedette, attrape. Ah, ok, c'est comme ça, hein. Alors, on va jouer ici, finalement. Waouh, c'est terrible. Tu parles. C'est comme à la maison. Je vous plains. On va vous pulvériser. Ouais, ben là, tu rêves, mon pote. Parce que je te parie que même avec... Ils sont largement battables. Oui, mais ça, c'était avant que monsieur, je ne tiens même pas sur mes jambes, ne décide de changer de terrain. Ils vont nous étriper. Regardez ce que je vous apporte. C'est une petite surprise. Tenez, Stella, Mike, Léo, et voilà. Et Rudy? Ah, lui, il en a un spécial. Quoi? Nous aussi, on veut un sweatshirt smooth et freeze. NaCl, chlorure de sodium. De l'acide?
T'es folle! Du sel en douille, c'est avec ça qu'on combat le verglas sur les routes en hiver. Ben oui, du sel, je le savais, hein. Rudy, tiens, c'est pour toi. Un cadeau spécial, smooth et freeze. Waouh! Cool! Tout le monde attend Rudy, le petit génie du ballon, découvert par Tony Parker. Mia, c'est terrible! Tout le monde m'attend au tournant et je tire à peine sur mes jambes. Ah, voici le plus talentueux des jeunes prodiges du basket. Jolie tenue, Rudy! Perdu ton équipe. T'aiderais bien à chercher, mais on a un match à gagner. Bon, alors on joue. Je commence à m'ennuyer ferme, moi. Fiasco sans précédent pour les Hi-Fi ce soir, mais surtout, c'est un échec personnel pour leur capitaine. Dépassé, incapable de mener son équipe, oui, vraiment. On se demande ce qu'il se passe avec Rudy. Celui qui semblait encore être un espoir du basket il y a quelques heures est désormais totalement en dessous de tout. Oh. Oh, je suis désolée, Rudy. Mia! Tony, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai à la fois une expérience du basket et des médias. Mais Rudy et toi, vous n'avez pas voulu en tirer profit. Vous vous êtes cru meilleur que tout le monde. Résultat, Rudy est pathétique. Et toi, tu n'arrives pas à mener deux boulots de front et toute l'équipe en souffre. Rudy a dépassé les bornes. Être capitaine, ça ne veut pas dire jouer les vedettes. Ça veut dire donner l'exemple à son équipe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça? Ça, c'est à vous de voir avec le reste de l'équipe. Mita! Rudy, on s'est pas mal planté aujourd'hui, tu trouves pas? Ouais, je sais, j'ai pas assuré du tout. C'est pas trop tard pour te rattraper, tu sais. Tiens, voilà la vedette. Désolé les gars, j'ai pas été cool. Je vous demande de me donner une dernière chance. Fini les plans solo, on va se la jouer en équipe. Ok? Je vous demande de me faire confiance. Pour moi, le plus important, c'est l'équipe. Mike, on va jouer comme à notre habitude. Tu te postes à droite de la défense et tu me passes la balle. D'accord? Non! Tiens, Léo! Qu'est-ce que je fais de la balle? Je la passe à qui, hein? À Stella? Attention, Léo! Rudy, tiens! Ce qui est sûr, c'est que t'as pas peur du ridicule, Nabo! Lob, Rudy! Lob! Non, à toi, Mia!
Tu la veux? Non, oh. Astella. Léo, à toi! Ouais! On a gagné! Bravo, Rudy! Yeti, vous êtes la sensation de la soirée. Un mot pour nous, s'il vous plaît. Allez, sans recul! Tu t'es quand même bien battu. C'est grâce à ma super équipe. Ah. Pas vrai, les gars? Ouais, les high five, vous êtes les premiers à avoir mis Yetika. Ça lui fera les pieds, je lui ai toujours dit qu'il jouait trop perso. C'est vrai, il a qu'à part la balle et nous, on est mis à l'écart. Il y en a que pour lui dans cette équipe. Yeti par-ci, Yeti par-là. C'est vrai, alors que le capitaine, c'est quoi? Oh. Oh. Même s'ils n'ont pas gagné face aux Alaskings, les High Five ont une nouvelle fois montré qu'ils connaissaient le sens du mot collectif. Yeah! Ouais! Ouais! Champignons ananas! Shoot Bruxelles! Oh! Ma préférée! Brocoli pastèque radis noir! C'est quand même chic de la part de Smooth et Freeze de nous avoir offert tout ça en dédommagement de leur rupture de contrat, non? Ouais, ouais. Je me demande si ce n'est pas un plan des Alaskings pour empêcher Léo et Mike de finir la compétition. Mike, je me sens pas trop bien. Oh non, Léo, t'en as mis plein sur le tapis! Tu aimes Tony Parker, on dirait. Ouais, je suis fan. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec lui sur le terrain. Oh, bah mon gars, t'as de la chance. Moi aussi, j'aime bien le basket. Ah ouais, moi, c'est ma vie. Je joue aussi souvent que je peux. Ah bon? Mais comment tu... Prochain arrêt, King Williams. On n'aurait pas pu rester tranquille à la villa? Oh, j'ai des systèmes de jeu à travailler et avec ce raccourci... Léo! C'est pas de ma faute si c'est la 20e raclée d'affilée que je mets à Mike. Yes! Tony nous emmène au terrain King William, Stella. Le meilleur de la ville. Oui, je dois rencontrer un jeune joueur, Jay, pour le récompenser de son travail de charité. Il nous aide depuis des années. Il ne pouvait pas venir jusqu'à la Casa Parker pour ça. Relax, Stella. On va en profiter pour s'entraîner. Je pourrais peut-être même jouer contre ce Jay. Yes! Regardez ce que j'ai créé pour Tony, pour sa conférence de presse d'avant match. Ça claque, non? Elle est vraiment très belle, merci Mia. Je la mettrai un jour, cet hiver peut-être. Mm-hmm. Hey, au fait, à propos de mon match de ce soir, regardez. Hein? Montre. Waouh, des places pour le All-Star Game. Terrible. Oui. Elles sont au premier rang. La classe. C'est comme si on jouait avec toi, Tony. On va voir les meilleurs joueurs du championnat pour de vrai. Merci, Tony. Oh, j'ai rien à mettre. On a des places au premier rang et j'ai rien à mettre. Waouh, trop cool! C'est lui, Jay? Bim! Énorme! Oh, je suis sûr que c'est lui, Jay. Hein, Tony? Tony? Oh. Bah, il est passé où, Tony? Les kids? Laissez-moi vous présenter celui dont je vous ai parlé, Jay. Jay, voici les High Five. Jay s'implique beaucoup pour la promotion du handi-basket. Du quoi? Du handi-basket? Du basket pour les gens comme moi, handicapés.
Et donc, pour le remercier de son travail, on va réaliser son rêve. Et c'est quoi le rêve de Jay? Mon rêve, c'est d'assister à un match pro, premier rang. Et voilà, pour le match de ce soir, et au premier rang, bien sûr. Oh, merci, merci, Tony. De rien. Waouh, c'est top! Bravo, Jay, on est content pour toi. Ouais, on est vraiment super content pour toi. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je dois filer. Il faut que je m'entraîne et j'ai 3 millions d'interviews à donner cet après-midi. Attends, Tony, on peut venir avec toi? Je croyais que tu voulais t'entraîner. Profitez un peu du terrain, Jay va vous faire jouer. Il est chez lui, ici. Comment tu le trouves, ce top, Tony? C'est pas un peu tendance, mois dernier? T'en fais pas un peu trop, Mia? Premier rang? Ça veut dire qu'on va nous voir à la télé? File rejoindre les autres. J'ai une conférence de presse, là. Je viens avec toi. T'as besoin d'une attachée de presse super pro pour t'aider. Mia va rejoindre les autres. Allez, Tony, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci, Tony. Bon, Stella et Mike, ensemble. Léo, avec moi. On va travailler les dunks. Je te prends en un contre un. Je sais pas trop... Quoi? Tu veux pas jouer contre un handicapé, c'est ça? Non, bien sûr, enfin... Ça va, te fatigue pas. J'ai compris. Ben vas-y, fais quelque chose. Ok, Jay, un contre un. Où tu veux, quand tu veux. Ici et maintenant. Merci de me faire confiance, Tony. Tu le regretteras pas. Oh, c'est trop cool. Je suis l'attachée de presse d'une star. Je vais sûrement rencontrer d'autres stars ce soir. Brad, Christina, George, Franck... À toi la balle, mec. Le premier à 20 points. C'est tout ce que t'as? 3-0. Je vais même pas transpirer avec toi. D'accord, tu veux jouer? Alors on va jouer. Ben voilà, tu te réveilles? Le match peut enfin commencer. 2-6. Ça va? T'inquiète. Beau dunk, mec. Merci. 15 à 14 pour toi. Alors, Rudy, t'as enfin trouvé le moyen de gagner un match? Tu parles, il se fait exploser. Ouais, contre ma grand-mère, il aurait peut-être une chance. Sérieux, les high-fives, ça sert à rien de vous entraîner, vous serez toujours aussi nuls. Qu'est-ce que vous faites là, les reptiles? On est venus écraser les Mayas. On s'est dit qu'on pouvait faire un petit détour pour voir le Champions Game. Ouais, notre coach Slim nous a trouvé des places pour ce soir. C'est la classe, hein? Pas trop dégoûté? 92e rang. Autant rester à l'hôtel, vous verrez mieux à la télé. Oubliez pas vos télescopes. Nous, on a des places de fous furieux, au premier rang. Faut croire que notre coach est plus cool que le vôtre. Vous ne méritez pas ces places, vous êtes des basketteurs en carton, même pas capable de battre un guignol en fauteuil roulant. T'as un problème, mec? Tu sais ce qu'il te dit, le guignol? Calme-toi, Jay, il en vaut pas la peine. Viens faire un match contre moi, tu feras moins le malin. Aucun intérêt. Ok, alors nous quatre plus Jay contre vous cinq. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de perdre? De perdre mon temps, surtout. Moi, je crois que t'as la trouille de te faire exploser par un handicapé. D'accord pour jouer, mais à une condition, vous pariez vos places au premier rang. Pari tenu. Quoi? Rendez-vous dans 30 minutes. Pas
paniquez pas, ça va aller. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Jay? T'as parié nos places avec ces tarés. Tony va être furieux. Pas question de leur filer la mienne. J'en rêve depuis trop longtemps. Bah quoi? Ils ont pas encore gagné. Je vous ai prouvé que je savais jouer, non? Mais vous pensez qu'avec moi, vous allez forcément perdre, c'est ça? Non, pas du tout. Tu joues très bien, c'est pas ça, mais... on va jamais revoir nos places. Léo! Ben quoi? Ça va, j'ai compris. Vous aussi, vous me prenez pour un guignol. Bah... Tu vas pas porter ça? Quoi? Il est super ce survêt. Pour pêcher la truite sûrement. Tiens, voilà le dernier survêt de chez Spike. Ça c'est la grande classe. Ah. C'est pas un peu trop chic pour un survêtement? Fais confiance à la pro de la mode. Moi vivant, personne n'aura ma place pour le match. Excuse-nous, Jay, c'est juste que... C'est juste qu'on n'est pas habitué à avoir de nouveaux joueurs dans l'équipe. Ça n'a rien à voir avec toi. Ouais, c'est ça. On a l'habitude de jouer entre nous. Mais on va s'y faire. Regardez, si on utilise ce système de jeu-là, en 2-3 passes, on peut trouver Jay pour un shoot facile. Un shoot comme ça? Exactement, Jay. Waouh, il shoote bien le mec à roulette. Ça risque de ne pas être aussi facile que prévu. Ouais, et il fait de plus en plus copain-copain avec les high-fives. Si on perd, non seulement on dit adieu aux places de folie, mais en plus on sera la honte de la planète basket. Taisez-vous, pas question de perdre ce match. Non, Mike, tu dois ressortir la balle sur Jay pour un shoot à 3 points. Y'a pas de raison. Si je peux marquer, je le fais. Bien sûr, mais on est là pour mettre en place une tactique qui libère Jay au shoot. Pourquoi? Il nous fait perdre nos places et en plus, c'est lui qui s'amuse. On est obligé de faire ces systèmes pour Jay. Sinon, il peut pas se démarquer tout seul. Parce qu'il est... Enfin, tu sais, quoi. Handicapé moteur et pas sourd. Vous croyez que j'entends pas vos commentaires? Le pauvre, il faut qu'on l'aide. Non, c'est que face aux reptiles, on n'a pas le choix. Oh, et puis... Jay, attends! Jay! Ouais, excellent, y a plus qu'à donner le coup de grâce. Détends-toi, mec, je venais juste m'excuser. J'ai été un peu dur avec toi tout à l'heure. J'ai un cousin handicapé et il déteste quand les gens sont trop gentils avec lui. Il a l'impression qu'ils ont pitié et ça le rend fou. C'est vrai qu'avec Rudy et Stella, je me sens encore plus handicapée que jamais. Les high fives se donnent bonne conscience, mais ils sont trop égoïstes pour se mettre à la place des autres. Moi, je te comprends. C'est pour aider les associations de charité que les joueurs du championnat ont décidé d'organiser le match de ce soir. Et... Merci à tous, mais l'interview est terminée. Monsieur Parker n'a plus rien à déclarer. Hey. Viens, Tony, je t'ai dégoté une interview beaucoup plus importante. Hein? Bonjour Tony, Amidine du magazine People Star News. Comptez-vous partir en vacances cet été? Aimez-vous les chiens? Quelle est votre couleur préférée? Excusez-moi, je n'ai rien contre un peu de Star System de temps en temps, mais ça passe après le sport et après un événement caritatif comme celui-là. Si tu ne peux pas comprendre ça, Mia, tu ne peux pas être mon attachée de presse. Excusez-moi, petit malentendu. Reprenons si vous le voulez bien. En tout cas, t'as raison de pas te laisser faire. Il faut se faire respecter. Ils peuvent pas te prendre pour un match et t'exhiber comme un trophée. Ah, t'es revenu, Jay. On te cherchait partout. Bon, je vais rejoindre mon équipe. Je vais me faire un plaisir de gagner ta place, mon pote. Allez, salut. Ciao. Ça va, Jay, t'as rien? Il t'a pas insulté, agressé? Il faut se méfier des reptiles, tu sais. C'est bon, lâchez-moi. Je vous ai pas attendu pour me débrouiller seul. Gardez votre pitié, je me casse. Trouvez-vous une autre bonne action à faire. Je voulais juste savoir si t'allais bien. C'est bon, t'inquiète, je vais très bien. Laisse-lui le temps, il reviendra. Ouais, bah il manque pas d'air. C'est lui qui a parié nos places et il nous lâche. Comment on joue le match maintenant? On n'est plus que 4. Monsieur Parker, je viens pour l'interview de 2 pages que j'ai négociée avec Mia. Mademoiselle, désolée, je ne fais pas dans le people. Attendez, du people? On s'est mal compris, Monsieur Parker. Il s'agit d'un article sur les opérations caritatives du championnat. Ah bon? Mia? Ma Mia a négocié ça?
Avec vous? Oui, et elle a aussi négocié un accord avec la marque Spike qui s'intéresse à notre article. Un accord? Quel genre d'accord? Si vous portez leurs survêtements aujourd'hui pendant toutes vos interviews, ils feront un énorme don d'équipement à l'association Dandy Basket. Mia, qu'est-ce que j'ai fait? Fort. Il est où, votre joueur à roulette, hein? Qu'est-ce que t'as été raconté à Jay pour qu'il parte comme ça? Moi? Rien, c'est pas ma faute à moi s'il y a des problèmes dans votre équipe. Oh, je crois qu'on a trouvé la solution à notre problème. Mia! Pas question, le pari a été pris avec Jay dans l'équipe. Alors, s'il n'est pas là dans 10 minutes, vous pouvez dire adieu à vos places. Pourvu qu'elle soit retournée sur le terrain. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est Tony qui t'a dit de revenir? Non, je suis partie parce que je faisais que des bêtises. Allez, ça va s'arranger. Et en plus, à cause de moi, les autres aussi vont perdre leur place. Je suis désolée, Tony. T'inquiète pas pour ces places, Jay. On fait tous des erreurs. Et puis, elles ne sont pas encore perdues. Il y a match. Pas question de jouer avec les High Five. Ils ont pitié de moi. Surtout Rudy et Stella. Ils sont maladroits, c'est tout. Toi, ça fait longtemps que tu as accepté et surmonté ton handicap. Mais pour les autres, c'est pas aussi simple. Ils veulent t'aider et du coup, ils en font des tonnes. Mais ce sont des bons gars. Garantie Tony Parker. Tu dois juste leur parler et ils comprendront. 30 secondes et faudra nous filer vos places. Justement, on va rien lâcher. On est prêt à jouer. Ouais. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Jay va bien? Jay va très bien, merci. Je sais que vous êtes plein de bonnes intentions, mais je peux me gérer tout seul. Ensemble, à 3. 1, 2, 3... High-five et Jay, toujours en top! Match dans 3 minutes, et c'est moi qui arbitre. Mia, viens voir par ici. J'ai été plus que nulle. Je voulais juste que ce soit glamour, que ça claque, quoi. Mais j'ai pas réfléchi, j'ai négligé ta personnalité. J'ai besoin d'aide pour convaincre les stars de faire des dons. T'es dispo ce soir? Sérieux? Oh, merci, Tony! Merci! Doucement! Et pour ton information, moi aussi, j'aime bien quand ça claque. Les gars, si on perd ce match, c'est la honte. Alors que ce soit clair, tous les moyens sont bons. Et on finit avec une passe dans le coin. Collectif, c'est la clé. Je veux un match fair play, dans le respect des règles et de l'adversaire. Ça va être un jeu d'enfant, les gars. Genre saute-mouton. Restons calmes. C'est super, les gars. On continue comme ça. Pas deux fois, mec. C'est la mi-temps. Plus 12, c'est parfait, les gars. Faut pas se relâcher. C'est pas possible, faut jouer beaucoup plus physique. On va pas se laisser battre par un handicapé. On peut quand même pas renverser son fauteuil. Et pourquoi pas? Il est nerveux, faut lui mettre la pression. Oups, la
des ballons. Faute, lancez franc. Lancez franc. Petit gars qui n'arrête pas de pleurnicher. Ma jambe, ma jambe. Faute anti-sportive. Deux lancers francs plus la possession. Doucement, Jay. Je veux du fair play. Rudy? Temps mort. Tony? Débrouillez-vous. Sur ce coup-là, je ne suis qu'un arbitre. C'est la cata. On a complètement perdu notre jeu collectif. On essaie de trouver des solutions individuelles en forçant des tirs. C'est exactement ce qu'ils veulent. Mais ils font des fautes de brute. Comme Tony nous dit toujours, quand l'adversaire se met à jouer méchant, c'est un aveu de faiblesse. Ils pourrissent le match parce qu'on joue mieux au basket qu'eux. Donc, on va se reconcentrer, jouer en équipe et gagner ce match. Et toi, Jay, tu veux qu'on te traite comme tout le monde? Alors arrête de saboter l'équipe avec ton mauvais caractère. Oui, tu dois garder ton sang-froid et répondre aux provocations par des tirs à trois points. Avant la fin du match. Salut. Faute de lancer franc pour Jay et c'est la fin du match. Faute, mais je l'ai à peine touché. Hé, hey, ça va pas, espèce de grand malade. Tu vas voir, sale barbare. Attendez, Jay peut se débrouiller tout seul. Pas vrai, mec? Merci, Rudy. Ça va. Grâce à toi, et je dis pas ça pour faire plaisir. C'est grâce à nous cinq. Ah ouais, ça me fait super plaisir. Tenez, Brad, c'est pour une bonne cause. Oh, bonsoir, George. Christina, vous êtes là aussi. Vous avez des jumelles, les gars, on est au premier rang. C'est juste pour voir leur tronche. J'adore, ils ont la rage. Ouais, dommage pour eux que ce soit pas la rage de vaincre.